permettez-moi de dire comme ça, je me souviens que ou t'es gain tu parler avec Jovenel Moïse, président de la République là. Je connais que ou en fait pour l'opinion. Dis-moi comment ouais Jovenel Moïse là on dit environ 3 mois puisque d'ici semaine prochaine monsieur a bien 2 mois. Et 7 février, monsieur monté, 7 mars, ça fait un mois, 7 avril, il va le faire, et 3 mois, 2 mois, excusez. Pour les premières actions de Jovenel Moïse, comment est-ce? Qui opinion sous touche monsieur, déplacement, décision, comment est-ce? Bon, tout d'abord, je vais dire que la première fois que je vois Jovenel Moïse, c'était une émission de la télémétropole qui était face au public. Côté de constituer plusieurs candidats. Bon, après ça, signal FM. J'ai eu l'occasion contre monsieur, par la monsieur, quelques fois. Mais maintenant, pour répondre directement à la question, pour moi-même, Jovenel Moïse, c'est un prisonnier. On est à l'âge que le prisonnier volontaire, le prisonnier involontaire, c'est lui qui a répondu. Parce que nous, nous vivons, président de la République, dans la condition qu'on vivait là, avec un parlement, ça peut exercer une forme de dictature qui est une forme de chantage en permanence. Et comme je lis même tout, et commettre des erreurs dans la relation avec M. le parlementaire, pour me déployer le programme là, c'est vraiment beaucoup. Il faudra beaucoup de souplesse et beaucoup de travail. Donc, quitte le programme là, c'était dit que ne pas le marier le soleil, la terre, l'eau et les hommes, pour relancer la production agricole, pour bien travailler, pour bien manger, pour exporter, pour entrer de l'eau, pour faire goût de la baisser, etc. C'est bien. C'est comment le faire avec une équipe que obligé pour former, faire des concessions majeures à ces parlementaires qui ont exercé un véritable pouvoir de maître chanteur. Ça, c'est le gros défi. Moi-même, bagage d'eau, pour moi-même, pas qu'on est, si monsieur a levé des filles. Mais, bon pays, on paye, quel que soit le pays, il y a deux bagailles. Ça, il y a même, il n'y a pas mal aucun côté. C'est la production, qui est pour créer richesse, qui est pour bien travail, et c'est l'éducation. Souvent, c'est ça, par exemple, ce qu'on a fait là, on continue à faire mal. Sorry, les productions et l'éducation. D'un mot plus clair. Production richesse, par exemple, sous choisi pour du na, agriculture, agro-industrie, industrie, tourisme, etc. Pour produire richesse. Sinon, on va venir mal, on va venir misérable. Mais maintenant, est-ce que monsieur, quelle attitude, pour l'entourer vraiment d'une équipe qui est capable, ou équipe qui pourlit, ou équipe qui travaille, bon, moi, je pose un gros point d'interrogation là-dessus. Comment tu deuxièmement, pour ce qu'on ne compte pas là, monsieur, ou tu ne compte pas là, monsieur, ou tu as ajouté deuxièmement, oui. Et deuxièmement, qu'on y a là, c'est sur l'éducation, qu'on aime se hériter de problèmes à faire, bagaille, matérialité, faire dans l'éducation, à faire sucre, tout le baisage, tout le gaspillage qui fait, justement, à cause de chantage que monsieur parlementaire a fait, et que ton bécu, on va pas être l'école pour manger l'argent sucre, hein. Les écoles pas même existaient. Et on y a là, le gouvernement n'a pas dit rien parce qu'il a dit, sous mon bagage, m'a voté contre pour le parlement, m'a destitué, m'a fait impeach. Et puis, il a trouvé un prisonnier. Maintenant, nous avons souhaité pour le pays que quel que soit le gouvernement, comme on y a, c'est sa Jovenel Lacla, qu'il réussit à remettre le pays ça au travail. Ça veut dire, faire le produit. Revoir système éducation. Et puis avec ça, bon, cette infrastructure ou bien avec monde, avec corps capable de circuler. Si M. réussit, fait, disons, le quart de samedi là, bon, en 5 ans, eh bien, nous sommes capables de dire que M. plus ou moins font bagaille. Plus ou moins, où est l'équipe gouvernementale là, pour le ministre Jacques Guy La Fontaine ou Eminicio. Bon, est-ce que vous pensez ressources humaines à monsieur Guenan maintenant, avait dit moun sa yo. Quelque bon, c'est vrai que grand pile là-dedans c'est des inconnus.
et ou pensez avec ressources ça des possibilités pour que objectif monsieur yo vision yo atterri véritablement puisque les discuter ou ensemble avec vous. Non, il va discuter ensemble avec parce que Mario fait partie de l'équipe Jovenel. Même dès qu'on a rencontré que deux, trois, quatre fois pour discuter, chercher quelques idées, c'était tout. Même Benjamin dans l'équipe monsieur. Bon, mais déjà, moi, je dois te dire une chose. J'en dis à l'équipe monsieur, il y a deux problèmes. Premièrement, je ne sais pas qu'on est inconnu, je ne sais pas. C'est pas parce que je ne sais pas qu'on est qui fait que je pas bon. Je m'a dit ça. Mais dans ça, connu, nous connaissons déjà, j'étais une équipe Matélia. Et bien, il y a là qui était passé pour des grands gaspilleurs. Il y a là que nous avons même cité dans les mauvaises affaires. Dans ce dépôt, monsieur, dans ça, nous avons passé de la dame, dans ça, qui est connu, que le gars là de quelqu'un vraiment compté sur nous pour le faire mon travail. Souka, bonsoir. Comment est-ce que moi, vraiment content avec vous à Soya? C'est toujours un plaisir pour que. Moi recevoir dans l'émission Boukate la parole. Comment nous est professeur? Eh bien, tout d'abord, on a pour monsieur Henri, est-ce que vous avez la parole, l'avant-veille, votre théâtre, livre, l'autre édition, livre, de domination des États-Unis sur Haïti, qu'a fait de vendredi et samedi dans le centre culturel Brésil-Haïti, hein, pour prix de 1500 gouttes de 9h à 4h d'après-midi pendant les deux jours. Et nous très contents, donc, de tout le monde que son livre que nous avons fait en 2015 pour marquer le 60e anniversaire du débarquement militaire américain. Le débarquement. Mais nous ne parlons pas de nous-mêmes de l'occupation en 1934 seulement, parce que pour nous-mêmes, domination américaine, nous commençons. C'est une période d'image infinie. Son domination qui est flétée, qui pénétrait dans tout aspect dans la vie nationale de l'Haïti. Et c'est ça que fait, nous avons fait appel à différents spécialistes qui abordaient la domination Sahara, tant sur le plan culturel, éducation, militaire, agricole, religieux, économique, financier, et du point de vue minier et tout, et formation d'artisanat, du point de vue formation urbaniste et tout. Donc, c'est un volume qui est une contribution collective. Et c'est nous-mêmes qui dirigeons le travail, ça. Les textes d'introduction, hein. Montrer sous qui ça, hégémonie américaine, dans le sens de l'Ichita. Pas idéologique, lui, instrument politique, que l'utiliser, instrument militaire, tout. Le gros bâton, la diplomatie du dollar. La lutte contre le communisme, et puis maintenant la menace islamiste. Donc, c'est tout ça qui nous dit ça. Et que comme le public l'a demandé, après une édition de nos équipes épuisées trop vite, nous faisons des amis de ça, et François va tous porter dans la province. Ça veut dire que nous pouvons faire des vaccinations au Caille, au Malin, au Cap, et tout l'autre côté, même le diaspora, tout qui a demandé que nous finalisions. Donc, là, c'est une question pour gagner. C'est ça. En tout cas, est-ce que vous déjà avez un calendrier? Et différentes régions d'un pays que nous avons gagné pour nous arriver, ou bien c'est Port-au-Prince d'abord, et puis de temps en temps, si on demande, nous avons fait de l'autre zone d'un pays. Donc, il y a d'abord Port-au-Prince et Pétionville, vendredi 31 et samedi 1er avril, dans notre culture visuelle à la place de Moyenne, de 2h à 4h. Maintenant, pour aller vous qui sur eux, nous pouvons aller le vendredi 28 avril au Caille. L'université épiscopale, là, à partir de 5h de l'après-midi. Ensuite, nous allons aller mieux au balai, pour que la plaque, le 16 ou le 17 mai, dans le local tribunal, là, dans Barroa même. Et puis, nos négociations, là, pour peut-être la mi-avril, ou la troisième semaine avril, nous allons regarder pour nous si nous sommes capables de faire au cas haïtien. Pour l'autre côté, nous allons travailler. Oui, parce que en pile mon a écouté émission Port de Paix avec Plateau Central. Monsieur que n'a pas contact pour nous si gagner des monde dans zone qui était capable même planifier et arriver dans zone parce que chaque côté passé yo est-ce qu'il y a tout gagner possibilité pour gagner en conférence côté que des jeunes capables assister et puis poser questions tout ça. Ce sera la grande différence entre Port-au-Prince et Cap-Vert.
Parce que d'abord, on peut savoir de dire et samedi, il n'y a pas de conférence, après votre signature. Et la province, il y a une conférence suivie de votre signature. Ok, ok, ok. Donc, pour nous-mêmes, c'est très important, Plateau Central, aujourd'hui. Hein, parce que Plateau Central, c'est le pays, Charlemagne Péral, inchié de la Batazie de Mirvalet. Donc, d'après Mirvalet, le pays du Benoît, comme il dit à l'animé, mais pour Inch, nous pouvons joindre un groupe solide qui pourrait s'en rendre main, qui pourrait inviter nous pour organiser par une Inch. Très bien. Parce que c'est extraordinaire. Ou a perdu onde, professeur, ou a perdu onde. Est-ce que vous allez me là? Nous là. Ok. Donc, comme je dis, c'est le pays Charlemagne Péral, qui est le leader de la résistance armée. Signal FM. La plus connue à l'occupation. Je vous ai souhaité que nous prenions un chemin, gagner un groupe solide qui passe en main. Je ne vais pas aller à un problème. Très bien. Bon, je me souhaite pas de paix. Et bon, il y a plusieurs. Institution qui a coûté dans la zone Zayo, suivi après ces fêtes. Nous allons laisser quand même un numéro de contact tout à l'heure. Nous fait une entrevue qui a permis que Mounio soit capable de rentrer en contact soit avec vous-même ou bien avec le bureau de communication pour que ensemble nous puissions essayer de garder et planifier ça. Bon, jeudi, c'est 29 mars, professeur Souka. Ça fait déjà 30 l'année. Depuis que vous êtes en pile, vraiment en pile haïtien qui te prend la rue pour aller dire oui avec la Constitution 1987. Vous êtes en pile tous des jeunes qui, aujourd'hui, à côté mission 1, qui ont 30 à 35 ans, qui n'ont pas de éléments d'information, qui n'ont pas de présence d'une part. Et malheureusement, nous avons un problème d'archives et histoire nous presque à l'oral. Est-ce que vous êtes capable, pour un pile de monde qui a côté là, pour certains, fait un rappel? Mais pour l'autre monde, dis-nous, comment ça t'est passé? Comment nous t'est arrivé dans la question Constitution 87 là? Bon, d'abord, il y a le fait que dans les constitutions que tu vas les défaire avant de tomber, c'était Constitution 83, qui était encore une fois consacrée. Professeur Souka. Oui. Ce qu'on dit est tellement important, j'ai l'impression que je vais sur l'autre numéro plutôt, parce que l'autre là toujours plus clair. Un petit pause 16, professeur est avec nous. Professeur Souka. Oui, alors. Ah, mais différent ça, hein? Ouais, différent ça, ancien bon, toujours bon. Mais ça, c'est comme celle, je l'ai dit, celle liée. Oui, comme celle de la belle époque. Hein? 402, oui. Ça a montré que c'est de la belle époque. Hein? C'est pas toujours du téléphone ça, là. Oui. Oui. Alors, effectivement, le duval est tombé. Dans les constitutions de fer, qui est la constitution de 1923, c'est toujours qu'imbé la question de la présidence à vie. Mais dans l'œil tombé, je me songeais aussi tout le monde, c'était face à face au président chaque 4 ans, c'est comme ça le dit. Pour y aller, M. Militaire, lancé question, formation, et constituante pour réfléchir sous constitution. Hein. Et puis, bon, au début, t'es une sorte de monde qui t'a boudé, monde t'a poti sa boudé par yo. Mais à la longue, tout le monde a pris dans le processus là, suggestion d'absorption à droite à gauche. Et c'est comme ça que l'Assemblée constituante là vient former, vient à travailler. Et appelé à la constitution de la radio, on a critiqué, on a basé suggestion. Et finalement, une mandat qui est fixé pour le référendum. À savoir le 29 mars 1987. Mais pour que ça, ça que t'as pour porter à pile monde voter constitution, hein, c'est que non seulement il t'a aboli la présidence à vie, deuxièmement, il t'a instauré un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. On était toujours marqué, traumatisé par le fait du pouvoir total dans mon président. Donc, j'étais en quelque sorte, si nous employons l'expression ça, j'étais tellement de contrôle sous présidence-là, que j'étais presque châtré. Et puis, je viens presque tomber dans l'excès contraire, je viens battre le Parlement en genre trop le pouvoir. Mais, à l'époque, il fallait bien comprendre qu'après les 29 ans de Duvalier, en fait, pouvoir nommer un président,
que le président c'est l'incarnation du gouvernement et de l'État, il est tout. Eh bien, Mounio Tevle, Fina Baraja, et puis dans l'histoire, il y a le mouvement du pendule. Ça veut dire que l'on peut vivre nos excès pendant longtemps le subir. Il vient laguer l'autre excès. Hein? Ça veut dire que il vient en constitution, il sortit dans la constitution qui consacre en dictature, il allait dans la constitution ultra-libérale. On devine bon émettement d'un paquet d'institutions qui pour contrôler le pouvoir. Mais article qui pral surtout fait le monde mettre en branle, c'est article qui dit ma coupe à la donne, pratiquement. Côté, il est banni pour 10 ans de du valériste zélé de tout poste, électif surtout. Maintenant, à l'époque, bien sûr, moi qui t'a réfléchi, je t'ai gagné conscience que constitution a gagné des problèmes là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait dire oui ou est-ce qu'il fallait dire non? D'autant plus qu'à l'époque, moi, je me très bien, il y a une information qui te dit que M. le militaire, pour qu'il ait le pouvoir davantage, attend que tu as souhaité que le monde vote non, et puis le Sahara, pour encore une fois prolonger le débat sur l'affaire constituante là. Donc, quand dans ça, c'était le secteur démocratique, là, c'est qu'on n'a pas qu'une discussion. Finalement, pour les gens qui viennent pour une position claire, je les sais très bien, qui peut être favorable à un vote pour constitution, hein, le vote oui, c'était des soeurs René Théodore du Parti Unifié des communistes haïtiens PUCH, à l'époque qui était le local lit. Eh bien, en bas, qui est tout près de prison. Bourgogne. Après ça, après René Théodore, deuxième organisation politique, qui était grand pile poids, toujours à l'époque avec le PUCH, c'était Conacom, qui était fait former. Il vient de dire, bon, les nous garder, nous peser, nous soupeser. On a corrigé ça, il faut corriger. Il devant. Mais en attendant, il faut sortir de étape ça, faut d'abord nous reconstitution et ensuite n'aller dans l'élection. Mais qui genre étape était définie? Élection, constitution, on a voté. Constitution, c'est lui-même qui permet qu'on gagne pour la première fois au conseil électoral. Ça veut dire que l'élection, c'est pas le gouvernement qui a fait encore. C'est pas le ministère de l'Intérieur. La constitution a créé un quatrième pouvoir, qui est le pouvoir électoral, constitué par différentes organisations de la société civile, la presse, les coopératives, etc., etc., l'église protestante, l'église catholique et tout. Première étape, là, nous avons voté. À partir du moment que nous avons voté, nous avons permis de mettre sous pied un conseil électoral. Le conseil électoral a fait élection, et puis qu'on est là, puis devant, on a corrigé ça, on a corrigé, et c'est comme ça que le raisonnement est fait. Et que ni PUCH, ni Conacom, est une organisation, une machine logique là, et que ils ont demandé Mounio jour ça, jour dimanche 29 mars ça, où ils ont habillé en blanc, était vrai dit que m'bral voter oui. C'est comme ça donc, pour une gagner, une foule immense, qui n'est pas l'arrière à jour ça donc, et résultat à une bail, signal FM. C'est que la constitution a l'y voté. Aussi, quand j'ai voté, on dirait que M. Militaire, effectivement, on dirait que l'information tactique le disant que je te souhaite que le monde ait voté non, hein, eh bien, il a voté. Aussi, quand j'ai voté, on dirait que M. Militaire, effectivement, on dirait que l'information tactique le disant que je te souhaite que le monde ait voté non, hein, eh bien, information, ça veut dire qu'il confie à faire élection avec l'autre gouvernement. Mais à l'époque, le gouvernement militaire, il était gagné appui les États-Unis, très sérieusement. C'était les États-Unis de Reagan. C'était encore la guerre froide. Et le mouvement Hachimoyok là, mais ce militaire, très rapidement, vient porter lutte politique là sur le terrain de la violence. C'est-à-dire commencer à tuer le monde.
sérieusement. Or, vous avez moyen, même si vous avez pour t'assurer sur le terrain, ça. À ce moment-là, vous vous rendez compte que le mouvement HMO-là, qui fait du grève violente, sauvage, de manifestation, n'est pas un résultat escompté. Et à ce moment-là, nous venons changer tactique. Nous venons dire nous pourrons lâcher Mayoc dans l'élection. Nous pourrons lâcher Mayoc dans l'élection. C'était mot d'ordre là, ça. Nous avons un virage qui vient de prendre. Et puis, qu'on y a là, on vient de gagner la formation du Fonds national de concertation qui va venir gagner Gérard Gou comme candidat. Là, M. le ministère, où est que FNC a gagné l'élection avec Bet Goug, on y a là, il fait massacre le 29 novembre. Joue l'élection même. Et c'est depuis lors que, pour un blocage terrible qui vient de bail, à mouvement démocratique. Donc, pour capable résumer pour nous à peu près, c'est qu'on semble résumer pour nous à peu près ce qui s'est passé et dans l'année, c'est un véritable tour dans ça, qui est l'année 1987. Mais d'ailleurs, moi, quoi que me raconter et analyser, dans le livre, moi, qui est les 16 ans de lutte pour un pays normal, 1971-1987, que me reproduit dans homme 3 des entretiens avec l'histoire. Maman, tu as une question, Henri? Question que je voulais poser, c'est que. Qui s'est expliqué que, en pile monde, malgré yot estimé que la Constitution a eu des problèmes là-dedans, et de fait, la Constitution a eu des problèmes là-dedans, est-ce que c'est parce que pas de gain trop espace, pas de gain des médias, ou bien moun yot eu une certaine peur? Qui fait que au départ, il n'y a pas tout essayé corriger ça que tu as de corriger avant même que tu aies fait référendum jusqu'à ce que pour voter constitution hein, avec toute imperfection que nous connaissons les gens. Ce n'est pas possible à l'époque ça. Parce que son période pas oublié. Bon, par contre, aujourd'hui, j'ai un petit garçon, on dit l'âge que tu as à l'époque. M'de là, les amis, m'de là. C'est ton période qui décompile l'émotion là-dedans. Duvalier fait caler. Tout ça qui te semblait de près ou de loin à Duvalier était fait pour te rejeter. Pour ça le tenir. Donc, monsieur militaire, si vous avez mené jouet là, laissez-vous poser problème là. La Constitution est à point de réaliser à travers un référendum. Et comme moi, je dis, vous n'avez pas monté par la suite. Je connais la Constitution, il y a un problème. Donc maintenant, c'est sûr que par le groupe paquet de débat et que la Constitution pourra le rejeter. Ce qui pourrait le permettre de faire encore beaucoup plus de temps au pouvoir, alors que depuis juillet 1986, les côtés déjà battent deux ans carrément dans la vie PIA pour mener PIA vers des élections. Donc comme je dis, le calcul qui est venu fait, c'est que Jean Constitution y a là, n'a pas voté. Vous cantez la parole. En d'autres mots. En d'autres termes, quand j'en parle à dire en créole, la priorité militaire, on est à la fini que l'élection, fini que la constitution, fini de voter, qu'on est à pas le conseil électoral qui prend le fait élection. Et comme le secteur démocratique a des sentiers forts, des sentiers puissants sur le terrain, hein, et des sentiers très populaires, nous sûr que le candidat n'a poussé à Zélie Gabon, et puis devant qu'on est à là, nous va amender. Ça qui est pour amender la Constitution. Kounia, en garde, professeur, constituant, sur qui base vous avez choisi? Gagné, ce sont des associations, si je me souviens bien, qui étaient voués. Gagné, c'était M. Militaire qui a choisi. Ah bon? Ça, c'est intéressant. Gagné, c'est Militaire qui a choisi. Tranche ça, je crois que si on parle avec Georges Michel, et qui était constituant, à l'époque, qui écrit d'ailleurs sur ça. Les sources d'instabilité. Mais René Préval, c'est un monde qui parle de voter constitution en tout. Parce que ça, René Préval, pas de jamais dit. C'est que René Préval avec Aristide à l'époque, c'était Maras à l'OTE en 87, ils ont joué pieds et mains pour constitution, pas voter.
Parce que le calcul d'extérieur, c'était radicalisé. Pousser bagaille à l'extrême, de façon à ce que, pour être capable de renverser le régime militaire par la violence. C'était thèse, M. Sarouza. Donc, René Préval n'a pas rien qu'à dire dans sa constitution, parce que les partisans étaient pour constitution. Et deuxièmement, même quand le vivait président, qu'il prêtait serment sur la constitution, les partisans feraient pour l'appliquer le tout. Et qu'on y a là, et ça c'est l'aide dit là, moi-même personnellement, de démasquer monsieur, de dire qu'il est très mal placé pour te parler que la constitution a son sous de stabilité, parce que les partisans ne font rien pour nous dégainer. Deuxièmement, comme président, les partisans ne font rien pour appliquer. Et qu'on y a là, l'aide pour aller essayer d'amender. Donc, ex-sénateur Steven Benoît, qu'on dit, c'est un véritable cas déjà qu'on viole qui était fait, je ça. Hein? Côté déjà la sol de Préval, font bagaille en mal macaque, font sous-chat, que eux, l'amendement, et puis qui mettent pays à le plus problème que nous, parce que nous ne pouvons pas qu'on y a là, vraiment vrai. Si nous base constitution amendée, si nous base constitution 87, en un mot, au lieu que vous résoudrez, vous réglez les problèmes, vous aggravez. Jodi a, opinion sous constitution. Faut constitution ta changé, faut ta fond l'autre constitution, ou bien faut au moins nous ta essayer respecter ça qui dit dans la constitution. Qui opinion pour vous? Ça qui a respecté, faut nous respecter, et ça qui est là qui dépasse, faut nous changer. Ça c'est clair. Ça ne va pas qu'il y ait une discussion sur ça. Son discussion, son constitution, même quand le parti m'a appliqué après 30 ans, c'est clair que l'imandé, soit pour changer, soit pour s'y faire amendement à la manière américaine, et bien pour faire très sérieusement. Les États-Unis, pas j'aime changer constitution, mais les États-Unis, au fil du temps que Bayou a évolué, les Américains ont évolué, ils font des amendements. Signalez. Donc, quand on est qui formule, qu'ils n'ont pas adopté. Mais cependant, ça me commence à être fait là, qu'on y a au niveau du Parlement. C'est comme si on dirait que les parlementaires sont les premiers sur l'habilité à parler de changement de constitution, de travail sur la constitution. Je ne crois pas que les gens aient ça dans la tête, je ne crois pas que vous êtes assez fou pour penser le tout. Parce que ce n'est pas qui concerne la vie nationale, ce n'est pas qui concerne tous les secteurs. Moi, j'ai tant de députés, je ne sais pas qui est-ce qui parle matin, son radio sœur. On dirait ouais, que vous commencez à le sentir ça. Ça veut dire, c'est vrai que vous avez au début, de fonds bagailles en sec fermé avec les gens qui sont proches, il n'est pas capable. Il faut que son démarche soit ouverte, que tous les secteurs de la vie nationale bah, suggestion. Il faut que son bagaille soit bien pensé pour le faire sortir des zones où on va être en bas à la rue des Préval. Très bien. Bon. Nous allons parler d'un dossier qui est extrêmement important que pays en beaucoup qu'arrive saisi mon yon ti j'ai pas comprendre tellement gien des l'autre détails hein et sénateur qui gien problème lecture député qui gien bah tête en bas comme si gien des vrais problèmes sérieux et que nous pas poser surtout politique régionale là on a regardé par exemple OEA jodi qui prend des résolutions qui souhaitait pour que Venezuela pour retirer Venezuela de l'OEA, Haïti c'est même fondateur de l'OEA, gade un bon bail qui a échappé la jeunesse. Et position à Haïti, hein, ou bien selon vous même, ça OEA a cherché véritablement. Mais pour le public, là, même comme ça pour un petit temps pour expliquer Mounio, on rappelle sous OEA et ça a passé là aujourd'hui, hein, là, selon vous même, avec résolution ça. Qui sorti pour mettre Venezuela dehors dans et organisation. Bon, pour faire vite et bien, l'OEA c'est une organisation que pendant longtemps, que l'Amérique était contrôlée. Tellement contrôlée que le dirigeant mettait Cuba dehors, le Cuba fait révolution castrice là, à un point tel que Castro était contrôlé le ministère des colonies américaines. Mais au cours de ces dernières années, l'OEA vient de plus en plus gagner la donne des pays côté des gouvernements de gauche, la donne. Ça veut dire qu'on prend le PLD en République dominicaine, on prend le gouvernement coréen en Équateur, Chavez
au Venezuela, Morales en Bolivie, Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, Bachelet au Chili, et comment les jeunes hommes ont encore quitté en Uruguay, dans mon nom. Donc, on vient de gagner en prédominance des gouvernements de gauche qui viennent faire que les Américains viennent déjà perdre du contrôle. Là. Très bien. Maintenant, avec le temps, vont changer. Ça veut dire que qu'on y a là, on gagne un retour de gouvernement de droite, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil, en Équateur, ça beaucoup clair, au Venezuela, ça aussi, j'en rabat un problème, et dans d'autres pays, qu'on y a là, aux États-Unis, tout, on vient sortir d'un gouvernement capable de libéral, qui est le gouvernement d'Obama, un gouvernement, mais vraiment franchement à droite, qui est le gouvernement de Trump, qui a essayé reprendre en main l'organisation ça. Ce qui veut dire donc, ils voulaient mettre l'OEA sous contrôle. Jean Salté, autrefois, et ils visaient un ennemi direct, c'est le Venezuela. Parce que là, nous connaissons, pendant quelques années là, Chavez avait pour sous ce pétrole-là, dans quatre programmes Petro-Caribé, dans quatre d'Alba, nous sommes américains en pile problème. Ça n'a pas empêché que pendant l'Amérique, il y a des problèmes avec là. L'Amérique toujours continue à acheter pétrole dans le Venezuela jusqu'à présent. Pas de ma parole là. Jean-Baptiste a dit, ah, c'est moins grand monde, c'est moins qui doit bien à monde, moins vlé. Mais même si tout le monde mourir, si je ne dois pas bien à tel, je ne dois pas bien avec. C'est ça lié. Maintenant, là, nous regardons les relations Haïti-États-Unis. Son relation depuis une centaine d'années qui est une relation de domination. Le Nabda des relations Haïti avec Venezuela, depuis Petro à Bolivar, sont relations de coopération. Et deuxièmement, tout, en matière de politique et de droit international, ils ont l'État pas qu'à passion, l'autre l'État l'autre, pour dire, mais qu'avec qui on veut bien, mais avec qui on n'a pas doué bien. Et deuxièmement, l'OEA tout lui-même, les gagnants comme devoir pour lui respecter le principe fondateur, à savoir que tout pays dans l'Amérique la donne, mais l'organisation par exemple, doit fourrer bouche dans la vie politique qui ont l'autre ont pays membre, encore moins pour dire forfait élection, la caillou à tous les niveaux, de par tout doit ça. Donc, du point de vue des principes, Jean, ambassadeur d'Haïti, à M. Avel Jean-Baptiste, rappelez, du point de vue des principes dans le discours-là, Haïti a totalement raison. Premier bagage, son insulte, effectivement, que le secrétaire général de l'OEA font un document en anglais, alors que les quatre langues de l'OEA sont les langues des pays de l'Amérique, à savoir l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. On va faire la carte bancaire. Donc, c'est une dérogation à la charte fondamentale de l'OEA. Et deuxième violation encore de la charte, on doit camper pour dire, mon pays, on gouverne mon pays, soit retirer quoi pour faire élection faite. C'est pas rédouer ça. Et est-ce qu'on pense que ces décisions, ça, en fait, la prise de position de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, c'est la décision du pouvoir d'Haïti ou bien du gouvernement haïtien ou bien son bail unilatéral? Bon, ça veut dire pas quoi qu'un ambassadeur a pris une chance pour une position comme ça sans consentement président de la République là. D'ailleurs, selon la Constitution, t'as parlé d'Alvéa, la politique étrangère haïtienne est la chasse gardée du président d'Haïti. C'est un endroit que la Constitution bail un président. C'est-à-dire c'est lui qui bail ligne politique étrangère. C'est lui qui nomme un ministre à l'étranger. Directeur général là, avec tout ambassadeur et tout consul. Donc, pas mon ambassadeur pourrait qui parle pour une chance, pour une position comme ça, sans que mon président de la République, président par où, hein. Entre les États-Unis et le Venezuela, deux pays qui, dans le niveau pareil, supportent Haïti, est-ce qu'on pensait que nous pas supposé réfléchir en pile avant que nous prenions position que nous prenions là? Bon, je pense que on a fait réflexion. Je ne vais pas arrêter de prendre comme ça. Parce que de toute manière, une question de dignité pour un pays,
ou pas accepter. Bon, d'ailleurs, c'est même pas le gouvernement américain qui m'a dit ça. Le gouvernement américain n'a pas aventuré à demander un bagage comme ça, parce que le connaît que réponse si tu as besoin de nous, les tapons soufflettes dans la figure du président Trump. Yon fait, yon sénateur, Floride, que les Marco Rubio, qui sont descendants de Cubains, qui te quitté Cuba, le Castro pour pouvoir. Signal FM. Moun sa leur arrive notre bois. Comme Amérique n'est pas de servir à Castro. Je veux tout avantage possible et imaginable. Et puis, on vient plus blanc, pas blanc. Mm-hmm. Donc, c'est avec Moun Gonza, donc, que Blot vont te servir. Sans doute, pour le faire qu'on parle, on cause, qu'elle pas préchance parler. Monsieur lui-même, même, comme bon colonisé, comme dirait Fidel Castro, comme Védéte, comme Goussano, l'accepter à le faire job ça là. Ou la dit en bagaille que le compte très bien, qu'aucun gouvernement sous la terre, pas passé sans honte, pas passé fou pour la dit l'autre gouvernement, qui me parle bien un tel, sous al bien un tel, sous continue bien un tel, m'a prétiré tout ça, m'a dégagé pour moi qui me compte barre. Non. Conditions irrégulières qui au même quoi que là Haïti n'a pas fait le bon choix puisque on était supposé penser avec yo. Bon, non, même est-ce qu'on a opinion sur ça? Faut comprendre nos bagailles. Haïti si faible que lié. Haïti quand même son l'état. Et même si qu'elle est on dit même s'il vient mon dignité quand rien. Mais il fait pour qu'on reste en dignité. Donc, en position que l'État, si faible soit-il, si un rayon soit-il, il n'est pas à admettre qu'on monte par la velle, encore moins son simple sénateur. Soit accepter ça, mais tout le monde est mouru déjà. Tout est fini. Donc, on est à la feuille, même notre bois qui faut qu'on ait, on est à la qui soit à faire. Parce que depuis longtemps, il y a des gens qui ont dit que Trump, son phénomène qui a développé, mais ça a toujours dit que le Parti démocrate a fait le mauvais choix en coulant Bernie Sanders et en montant Hillary Clinton. Donc, tout affrontement Hillary Clinton contre Donald Trump a bien. Tout analyse qui crée dit ça. Mm-hmm. Donc, yo même quand vivait légal depuis longtemps sous tes ça ou bien depuis plein de bas qu'on est, je te connais que c'est qu'on a venu. Donc c'est eux pour qu'on le fait. Très bien. Bon, professeur, moi édifié en pile, monsieur que publiquement li édifié et comprend position haïtien. Et mais pour nous garder bien, est-ce que position haïtien, il y a des gens qui ont dit, c'est parce que Venezuela. Dans le dernier moment, on a eu un peu de support. Et mis à part de Petro-Caribe, mais on est Venezuela vini. Il y a implanté pour nous plusieurs centrales électriques. Plusieurs centrales électriques. Ça a tout quand même, et comme haïtien, nous n'avons pas d'accablier. Bon. Pas quoi que l'ingratitude son qualité liée. Si on veut prouver que l'ingratitude son qualité, eh bien, ça, je suis un fou. D'ailleurs, je songe, le président Michel Martelly te dit un bagaille que je trouve très fort. Et si je suis en place, je suis en place. Je me suis dit que aide Venezuela à Haïti n'a jamais mon pays qui bat l'île. Elle te dit ça, je me dis, ah, ça, je n'ai pas besoin d'île. Mais opinion pas, parce que je connais que ça va pas choquer l'Amérique. Elle te dit, lui. Non, Michel Mandel, il te dit tout parce que l'Iri veut jouer ni tout. Ah, naturellement, c'est ça qu'elle te dit. Que... Non, l'Iri veut sous lui comme personne. Oui, bien sûr. Oh. Donc à ce moment-là, ça me dit, je trouvais que même politiquement, c'était une erreur. Parce que justement, dans 5 ans, parce que 2,5 milliards, hein? 2,5 milliards, et bien, n'est-ce pas ça? Non, n'est-ce pas ça? N'est-ce pas qu'il y a raison pour être content? C'est évident. Oui. C'est évident.
Kounia, on fait un petit rentrer la canon très rapidement pour nous capable de comprendre un petit bavet. Deux dernières questions avant d'aller, mais on l'autre sujet. Et moi, songe ou te. Permettez-moi de dire comme ça, moi, songe que. Ou te gen ti parlé avec Jovenel Moïse, président de la République là. Je connais que, ou, en fait, pour l'opinion. Dis-moi, comment ou est Jovenel Moïse là? On dit environ 3 mois, puisque d'ici semaine prochaine, monsieur a bien 2 mois. Et 7 février, monsieur monte, 7 mars, ça fait 1 mois, 7 avril, il fait deux mois. Pour les premières actions de Jovenel Moïse, comment est-ce? Qui opinion sur touche monsieur, déplacement, yo, décision, yo, comment est-ce? Bon, tout d'abord, je me dis que la première fois que je croise Jovenel Moïse, c'était une émission de la télé métropole qui était face au public, côté de constituer plusieurs candidats. Bon, après ça, signal FM. J'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur, parler à monsieur quelques fois. Mais maintenant, pour répondre directement à la question, hein, pour moi-même, Jovenel Moïse, c'est un prisonnier. On est à la est-ce que le prisonnier volontaire ou prisonnier involontaire, c'est lui qui a répondu. Parce que nous, nous sommes arrivés, président de la République, dans la condition qu'on est là, avec un Parlement, qui exerce une forme de dictature, qui est une forme de chantage en permanence, et comme je dis même tout, et commettre des erreurs dans la relation avec M. le parlementaire. Pour me faire déployer le programme là, c'est vraiment beaucoup. Il faudra beaucoup de souplesse et beaucoup de travail. Donc, quitter le programme là, c'était dit que il pas le marier le soleil, la terre, l'eau et les hommes pour relancer la production agricole, pour bien travailler, pour bien manger, pour exporter, pour faire, pour entrer de là, pour faire goût de la baisser, etc. C'est bien. C'est comment le faire avec mon équipe que vous obligez pour former le fait des concessions majeures à ces parlementaires qui ont exercé un véritable pouvoir de maître chanteur. Ça, c'est le gros défi. Moi-même, bagage d'eau, pour moi-même, pas qu'on est, c'est M. Afka levé des filles. Mais, bon pays, on paye, quel que soit pays, il y a deux bagailles, sans eux-mêmes, pays n'a pas mal aucun côté. C'est la production qui pour créer richesse, qui pour bien travail, et c'est l'éducation. Souvent c'est ça, par exemple, qu'on a fait quoi là, on continue de faire mal. Sorry les productions et éducation, d'un mot plus clair. Production richesse, par exemple, sous choisir pour du nord. Agriculture, agro-industrie, industrie, tourisme, etc. Il faut produire richesse. Sinon, on va venir mal, on va venir misérable. Mais maintenant, est-ce que monsieur, quelle attitude, pour l'entourer vraiment d'une équipe qui est capable, une équipe qui est polie, une équipe qui travaille, bon, moi, je pose un gros point d'interrogation là-dessus. Comment vous deuxièmement. Professeur, comment vous ne parlez pas à monsieur, ou vous ne parlez pas à monsieur, ou t'as ajouté deuxièmement, oui. Et deuxièmement, qu'on y a là, c'est sur l'éducation, qu'on aime se hériter de problèmes à faire bagaille, matérialité faire dans l'éducation, à faire sucre, tout le baisaire, tout le gaspillage qui fait, justement, à cause de chantage que M. Parlementaire a fait, et que tombe écrit au paquet de l'école pour manger l'argent sucre, les écoles n'ont même existé. Et, on y a là, le gouvernement n'a pas dit rien parce qu'il a dit, si on dit mon bagage, m'a voté contre pour le Parlement, m'a destitué, m'a fait impeachment. Et puis, il n'est pas retrouvé au prisonnier. Maintenant, je t'en souhaite pour le pays, que quel que soit le gouvernement, comme on y a assez sa Jovenel Lacla, qu'il réussit à remettre le pays ça au travail, ça veut dire faire le produit, revoir le système d'éducation, et puis avec ça, bon, mettre infrastructure pour bien avec monde, avec corps capable de circuler. Si nous réussissons à faire, disons, le quart de samedi là, hein, bon, en 5 ans, eh bien, nous sommes capables de dire que monsieur plus ou moins font bagaille. Plus ou moins, où est l'équipe gouvernementale là, pour le ministre Jacques Guy Lafontaine, où est Minicio,
Bon, est-ce que vous pensez ressources ça, ressources humaines ça, monsieur Guénan maintenant, avait dit moun ça yo. Quelque bon, c'est vrai que grand pile là-dedans c'est des inconnus. Et vous pensez avec ressources ça, des possibilités pour que objectif monsieur yo, vision yo atterri véritablement puisque les discuter ensemble avec vous. Non, il va discuter ensemble avec moi parce que Malon fait partie de l'équipe Jovenel. Même dès qu'on a rencontré, que deux, trois, quatre fois pour discuter, chercher quelques idées, c'était tout. Même Benjamin dans l'équipe monsieur. Bon, mais deuxièmement, je dois te dire une chose. J'en dis à l'équipe monsieur, il y a deux problèmes. Premièrement, je ne connais pas les inconnus, je ne sais pas vous. Ce n'est pas parce que je ne connais pas qui fait que vous. Pas bon, je m'a dit ça. Mais dans sa connu, nous connaissons déjà, j'étais une équipe Matélia, et bien, il y a là-dedans qui était passé pour. Des grands gaspilleurs, bien là d'ailleurs que nous même cité dans les mauvaises affaires. Dans ce dépôt, monsieur, dans ça, nous n'avons pas cité la dame, dans ça qui est connu, que le gars là d'ailleurs, quelqu'un a vraiment compté sur lui pour le faire mon travail. Signal FM. Et en football, on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais l'inverse est aussi vrai. Certainement, on change une équipe qui perd. Non, comme équipe, ça ne peut pas perdre du tout. Parce que gagner, c'est conception, c'est comment on est là ou même comme acteur. Bon, je parle d'être un citoyen haïtien. Ah, ok, d'accord. Moi-même, gagner, c'est mettre pays ça au travail. Ok. Pour une richesse, pour ne pas consommer, pour ne pas exporter, pour ne faire de l'entrée, pour goût de la baisser. Et puis, changer ses médicaments, moi-même, pour comme citoyen, ça intéresse. Parce que quel que soit citoyen, il n'y a pas d'intérêt pour que quel que soit le gouvernement échoue. Et pour le gouvernement échoué, ou même en tant que citoyen, avoir vu du mal. Oui, c'est vrai. Pour moi, ça veut dire que même si vous ne pouvez pas voter pour un président, mais si vous avez fait bon travail, et que vous avez commencé à travailler chez sa produit, pour une amélioration, mais vous faites pour dire, ah, mon cher, en tout cas, M. Fombay, qui fait mal, on souffle. Même si vous avez des votes, on est. Dépenser de la balle fond bague pour l'état de Gilbert Plaprenin. Et bien, il faut que le courage, dit mon cher, vous avez passé. Il doit quitter vous, il s'est coupé, il m'a coupé, mais il s'est capable de couper. En tout cas, professeur, moi, j'étais content de faire ces causes avec vous. Bon, moi, mettez accent sur deux éléments extrêmement importants là, pour un pays capable de véritablement développer. C'est la production et l'éducation. Ça, c'est deux points forts. Monsieur que Herbert Joseph, qui est dans l'éducation, monsieur parlait de ça souvent. Faut peuple, faut éducation, faut mounio éduquer, faut mounio former. Mais il y a un auditeur qui m'a demandé pour me poser une question, ça, pour lui. Est-ce que la position haïtienne dans le dossier OEA Venezuela, est-ce que nous pas payé conséquences là? En disant ça, je me pose une question. On a 100 ans qu'Américain fait dominer le pays. Ce n'est pas plus mal ou bien mal. On a 100 ans qui sont passés là. D'après vous, j'aime moins le monde qui est monté au pouvoir dans le pays ici. Sans volonté américaine. Ça, j'en fais pour vous. Pour si vous, après 100 ans, vous tirez action de dignité, qui est le problème là? T'as toujours aimé gagner des mondes qui valent toutes couleurs. Non, même. J'aime bien la dire. Dis diable bonjour, la bonjour. Pas dis diable bonjour, la bonjour. Donald Trump, déjà doux. A ça des aides au développement, c'est bon bagaille qui n'a pas examiné du tout. Les faits, même. On va pas le passer là. On va le beau point être mis, c'est pour la gueule pour. Et puis, il y a un auditeur à l'étranger qui dit comment eux-mêmes. Yoka gagne ouvrage là. Bon, tout d'abord, si vous avez mon en Haïti, vous êtes capable de voler au monde dans votre signature, vendredi et samedi, dans le circuit du Brésil Haïti, de 9h à 4h, sous Blas Boyer, c'est à 150 et à 1500 gouttes. Deuxième bagaille, ben, pour l'initiative là, Kotoya, regarde, sous qu'on est grand pile haïtien là. Qui est intéressé, et bien organisons conférence, je viens avec Livio, et puis nous faisons une belle conférence avec notre fiancé. D'habitude, c'est ça déjà. New York, Chicago, Boston, Montréal, et Miami, Fort Lauderdale, on va de nos bonnes côtés.
et Paris, Guadeloupe. Allez, pour l'initiative, nous. Même pas un problème. C'est ça. En tout cas, moi-même, et bon, par contre, soit un numéro de contact ou bien après, tu me fais jonction. Hein?